After the Battle of Yiling, our lord passed away. Before his death, he asked me to take care of his son, Liu Chan. I am trying my best to help him, but I must say that it is very tiresome. However, people change. Just like Guan Ping, Lord Liu Chan must change as well. I feel this kind of thinking is the most important. The next battle is at Jie Ting. My father, Zhao Yun, not even Guan Ping will be there. There is no one there who I can rely on, but I must go and fight nonetheless. We shall now head for the defense of Jie Ting, which is an important location for our upcoming campaigns to the north. Everybody, take your positions along the road and prepare to meet the Wei army. On that land, it would appear beneficial to take the mountaintop, but it is not so. We must not act rashly in this battle. Instead, we should concentrate on guarding the roads. Xing Kai, much like Zhang Fei and Zhao Yun did, we are counting on you to lead by example with your skills in battle. Like the light from a shining star illuminating the path for Shu. La bataille de Jie Ting. Liu Bei est mort entre-temps. Il m'a demandé sur son lit de mort de m'occuper de Liu Chan. Bon, ouais, c'est... plus que s'occuper, puisque techniquement Xing Kai et Liu Chan sont mariés. Elle est plus vieille que lui, quand même. Hein. Elle est forcément plus vieille que lui. Si on suppose que Xing Kai et Guan Ping sont de la même génération, elle est même beaucoup plus vieille que lui, en fait. D'au minimum une quinzaine d'années. Donc c'est un peu chaud, quand même. C'est un peu chaud, je dois l'avouer. Elle est un petit peu cougar sur les bords, là, Xing Kai. Mais après, je sais pas. Je sais pas si Guan Ping et Xing Kai sont vraiment de la même génération. C'est pas trop sûr. Hein. Mais étant donné que, enfin, on peut supposer qu'ils ne sont pas vraiment de la même génération parce que. Guan Ping, ils le font commencer à la bataille de Changwon pour sa première bataille. C'est là qu'est le gros souci. C'est que si Guan Ping et Xing Kai sont de la même génération, la première bataille de Guan Ping c'était à Changwon. Le problème c'est qu'à Changwon, il y a Liu Chan qui se fait sauver par Zhao Yun alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Un bébé de 1 an. Donc, voilà. S'ils sont de la même génération, ça vous donne une petite idée de la différence d'âge qu'il peut y avoir entre Liu Chan et Xing Kai. Mais le mode histoire de Xing Kai commence à la bataille de Chengdu, qui se passe pas si longtemps après que ça, mais ça laisse un petit peu de marge en plus, quoi. Elle est un peu moins cougar, mais cougar quand même. Parce que bon, Chengdu, c'est quoi? C'est... Oh, ça doit être en l'an 214, non? Je sais plus. Je sais plus en quelle année c'est Chengdu. La conquête de Chengdu. Attends, laissez-moi vérifier ça. Sa petite vérification avant la bataille. Chengdu. C'est bien en 214. Donc ouais, ça fait que Xing Kai serait... pas aussi vieille que... ce que j'ai dit, quoi, par rapport à Liu Chan, si on considère qu'elle a été sur son premier champ de bataille très jeune, bien entendu. Genre en admettant que, selon la logique d'un roman of the Three Kingdoms, elle ait commencé sa première bataille à l'âge de 15 ans. Là, ben, ça ferait une différence moins importante d'âge. Mais bon, Xing Kai reste quand même, dans tous les cas, bien plus âgé que Liu Chan. Mais bon, voilà, de toute façon, Liu Chan, voilà, gros sac à merde, petit crapaud de cul. Liu Chan, dans le couple Xing Kai et Liu Chan, on sait qui c'est qui fait l'homme, hein. C'est clairement Xing Kai. C'est Xing Kai qui lui prend le cul, hein, mais bien comme il faut. Elle le ramone, mais toute la journée, quoi, il n'y a aucun problème avec ça. Alors,
Nous avons pour objectif de battre Kaopi. Nous perdrons si Masu est vaincu ou si le camp principal est pris. Avec nous, Masu, Jiang Wei, Ma Chao, Wei Yan, Xingkai, Wang Ping, Yao Xian. Masu, un autre sac à merde. Contre nous, Sima Yi, Sima Zhao, Xiao Wei, Zhang He, Zhenji, Zhu Wang, Jia Kui, Cao Zhen, Zhang Hu, Xingpi, Cao Wong, Deng Ai, Fei Yao et Wang Lang. Zhu Geyang nous a ordonné de protéger la route de Jieting pour empêcher l'attaque Wei. Mais Masu, qui est le responsable, a au contraire pris position au sommet de la montagne. Voilà, sac à merde. Du coup, il va falloir arranger ça. Lord Masu, the Prime Minister distinctly said not to set up camp on the mountain. We'd be mad to ignore such a great vantage point. I'm heading straight for the summit. It's important to adjust one's strategy to the situation. Zhuge Liang will understand. My lord, your point is understood. However, I'm starting to get a very bad feeling about this battle. We'll head for the summit and crash their camp from above. Although the summit does have its advantages, this formation leaves us vulnerable from two directions. I'll go seize control of the center. Master Ma Chao and Xing Kai, prepare to meet the enemy on the road. Très bien. Objectif, éliminer les ennemis le long de la route. Allons-y. Je me concentre là-dessus. Je focalise un maximum là-dessus. Deng Ai. Taking the bait! Now, collapse the bridge and isolate Ma Su! Évidemment. C'était prévisible. Tu t'es fait baiser la gueule, Ma Su. What's that? We've been cut off? So this is why the Prime Minister warned me. Bah oui, si tu l'avais écouté, d'accord. It's about time I face a worthy opponent. Enemy officer defeated. Ok. Kaong ici. I won't be denied next time. Oof. Enemy officer defeated. Oh l'enfoiré. Ça allait fronter là. Crève. This isn't looking good. Just because we're a supply, doesn't mean we can't fight. C'est vraiment pour prendre la base de ravitaillement rapidement, sachant que je vais arriver à 100 kills et que je vais en récupérer un mesurage derrière. Zhenji. Go and topple the enemy. Follow me. Have you come to me?
Ah, une culotte noire cette fois, Xinkai. Très bien. J'espère bien que tu n'oublieras pas ça, Zenji. J'espère bien. Ah, the enemy has stopped our advance along the road. Master Cao Zhen, change of plans. Skirt the road and attack their main camp. Ok. J'imagine que je devrais arrêter Cao Zhen. Ce serait l'idéal. Do you think you can stop me? Je t'ignore pour le moment, Feiyao. Cao Zhen est ma priorité. Time to readjust our strategy. Lay waste to Shu's main camp. Zuzu est arrivé. Oh. Un gros tas. I'll be your opponent. Master Masumi needs help and the camp needs protection. Both are important, but I can only choose one. Oh, this is impressive skill. I won't be denied next time. Enemy officer defeated. Je pense qu'on ferait mieux de sauver Masu. Retreat is an acceptable strategy. Enemy officer defeated. Ouais, je pense que le camp principal ça devrait aller, maintenant qu'on a vaincu Cao Zhen. Il faut vraiment vite foncer sur Masu. This direction is safe from attack now. Keep up the fight until our allies arrive. Je suis là, Masu. Oh, you're here to help me. Je suis pas sûr que tu mérites mon aide, mais bon. Allez, allez. Je vais éliminer tous les ennemis sur le chemin. Sont en train d'investir la base de ravitaillement. Zhanghe arrive. Such undisciplined form. It is difficult to watch. Stop them. Il a esquivé. Wow, il est quand même baisé. I must go and work on my delivery. Enemy officer defeated. Star William s'est fait battre. Comme un sac. Machao aussi. Eh ben, cette bataille sans le foin. Thank you.
Ok. Comment ça, mon moral est en baisse? Je suis toujours motivé, moi. Enough! Oh, désormais les trous. Il y a de moins en moins de soldats Wei qui arrivent à passer jusqu'à la montagne. Je pense que Masu devrait pouvoir s'en sortir. Moi, je vais commencer à avancer sur le camp principal du Wei. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, lui, là? Camp is in desperate need of reinforcement. C'est grave s'il se fait prendre. Ah ouais, putain, c'est les deux qu'il faut protéger. Je vais faire une interim save parce que là... Ouais, ça pue. L'idéal serait de foncer sur Kaopi et de l'éliminer tout de suite, plutôt que d'aller sauver le camp principal, en fait. Allez, c'est parti. Une charge héroïque de Xinkai. Une percée héroïque, même. Je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps en plus. I challenge you in battle. Il est où Kaopi? C'est pas Kaopi qu'il faut battre. Si? Si, mais il est pas là. Merde. I should have kept a better eye on you. Alors je suis obligé d'aller défendre le camp principal. Je pourrais jamais faire les deux. Défendre le camp principal. Masu. Ah, c'est chou. Je pense que j'arriverai pas à temps. Sauf si les renforts arrivent. Là, c'est tendu, là. C'est très tendu. Théoriquement, j'ai quand même assez de temps si je charge mon intérim save. Mais ouais, le camp principal est bien submergé comme il faut, là. Ça, c'est super dangereux, par contre. Par perdre ses bases de ravitaillement. J'aime pas trop le fait qu'il soit au combat, lui. Enfin, qu'il y ait des ennemis aussi proches de lui. Un sac à merde pareil pour défendre un camp principal. Ça craint. Et Masu qui est toujours en danger.
Wrong langue. You should know who you're dealing with. Calmez tout de suite. Vieux cul. I'm back and try again later. Putain, ils ont repris le bastion. Les mecs. Prepare yourselves. Ah, Kyopi. For I will show you far less mercy than CDU. Vas-y, ramène-toi, Kyopi. Je t'attends. Et nous, on peut recevoir des renforts peut-être un jour. We must calm down. Ce serait bien que Kaopi lance l'assaut, qu'il vienne jusqu'à moi. M'assurer que tout va bien parce qu'il y a quand même 2-3 troupes qui sont passées, des arbalétriers de merde en plus. Ils sont fichus de me reprendre le bastion. Surtout pas qu'ils se fassent reprendre ce bastion, que je les repousse, que je puisse avancer un petit peu sur eux. My name shall forever be shamed by this failure. I can at least die honorably at the hands of my enemy. Il est sérieux, lui? Il est parti risquer sa vie, cet enculé. Ok. Pourquoi t'es tout seul, toi? Ah mais non, fais pas ça, Xinkai. Non, bigué. Yeah. Aïe. Ok. C'est bon, on peut y aller. Donc ouais, faut que je continue dans cette direction parce que des troupes vont arriver. À cause des bastions, évidemment. Pour le moment, ça a pas l'air de trop de se bousculer au portillon, cela dit. Ha!
Allez, j'ai une opportunité là. Je vais contourner cette base de ravitaillement, on va juste me faire perdre du temps. Mon objectif, c'est Kaopi. Et uniquement Kaopi. Une charge héroïque digne du père de Xinkai. So this is the daughter of that drunken Zhang Fei. Go home, little girl, before you get yourself hurt. Alors ça... Ça... ça, franchement, Kaopi... Tu vas le payer cher. Tu vas payer cher tes insultes. Envers moi et mon père. Tous pris la tour dans la gueule. I still have much to accomplish. Alors, qui a fait mal à qui? Hein, Kaopi? Explique-moi. Enemy officer defeated. Victoire, grâce à cette charge héroïque. Je suis pas sûr qu'on aurait tenu bien longtemps, sinon. Avec Masu qui fait le con et le camp principal en danger perpétuel. We managed to successfully defend Jie Ding. I'll admit I had my doubts about Lord Masu's strategy in the beginning, though. Well, I am glad that I was able to live up to the Prime Minister's expectations. Jie Ting is an important victory for us in the battle against Wei. It will no doubt serve as a guide for Xu on the path toward Chang'an. Oui, probablement. Bon. A new response. Mais par contre, je pensais qu'il était supposé y avoir des renforts de Zhugeliang au bout d'un moment. Ils ne sont pas venus, alors... Est-ce qu'il fallait attendre encore un peu? On était quand même rendu à quasiment 20 minutes de bataille. Enfin, je sais pas, peut-être. Peut-être. Ou peut-être tout simplement que quand on joue côté Shu, Zhugeliang ne vient pas. Bref, on se retrouve pour la bataille suivante.